Salut les gars! Aujourd'hui on se retrouve pour un squad builder exceptionnel. Même s'il n'est que d'une valeur de 120 000 crédits. Mais bon, attention, on se détend, je ferme ma fenêtre. Attention! Voilà, c'est parti! Allez, on va commencer. Donc, dispositif 4-1-2-1-2, hein, c'est mon dispositif, un de mes dispositifs préférés. Il est où ce cochon? Il est où? Donc, c'est une équipe, donc comme vous avez pu le voir dans le titre. Hybride Hollande, enfin Pays-Bas fit BPL, donc hybride ouais, Pays-Bas BPL. Donc en gardien c'est le très très bon Hugo Lloris avec la carte bouclier. Hugo Lloris, je me suis pris 2 buts en 5 matchs avec lui, c'est simplement exceptionnel malgré son énorme prix qui va baisser. Donc 40 750 crédits. En gros, vous le trouvez facilement. 40 000 crédits, vous le trouverez. Voilà. Donc style d'arrêt acrobatique. Hein. Hugo Lloris, tellement bon, tellement fort comme d'habitude. Là, avec la petite carte bouclier qui le rend encore plus fort avec les réflexes, la vitesse et les dégagements. Je prends toujours une carte bouclier pour mes gardiens parce que j'aime beaucoup avoir la vitesse augmentée vu que je fais souvent sortir mes gardiens. Donc défenseurs centraux. Alors, il y a les deux qui vont apparaître là. Donc c'est Vlar. Ron Vlar, très très bon là, 4 étoiles mauvais pied, même s'il est un peu lent quand même, bon vous le savez, mais bon 81 en défense, 82 en physique, c'est très très fort, et vraiment pour 1000 crédits c'est un des meilleurs défenseurs de BPL, allez, avec 70 de vitesse ça serait parfait parce que quand même il est un peu lent face à des gros joueurs très rapides genre Adrian Ramos ou... Je suis tombé contre des Adrian Ramos ou des Huché de Villarreal qui sont très rapides. J'ai souffert, mais j'ai tenu bon. J'ai perdu aucun match avec cette équipe. 5 matchs, 5 victoires, c'est simple. Alors l'autre défenseur central, c'est un défenseur central argent les gars, c'est Kurt Zouma. Avec la carte pilule. Alors Kurt Zouma, attention, c'est un joueur argent non rare. Qui a quand même 2 étoiles, j'ai cette équipe, 3 étoiles mauvais pied, donc c'est pas top. Mais attention, ce joueur vaut un Vincent Kompany, ce joueur vaut un Thiago Silva, ce joueur est exceptionnel. Alors déjà 1m87, il en impose sur le terrain, 74 de vitesse, 74 de défense, 79 de physique. Franchement, vous allez peut-être pas me croire, hein. Vous me croirez pas, c'est un joueur argent, vous allez dire non, c'est une dope, je préfère mettre un Kompany ou un Thiago Silva dans mon équipe. Non les gars, non, pour 6000 crédits, ce joueur est une pure merveille. Alors j'espère que son prix va baisser autour des 2000-3000 crédits, ce serait vraiment génial. Parce que ce joueur m'a franchement bluffé. Et largement meilleur que Vlar. Ensuite, ah là, je suis déterminé là. Allez, ensuite c'est Mathieu Debuchy. Mathieu Debuchy. Alors, est-ce qu'il a marqué Zouma? 2 passes décisives, vous voyez. Il monte souvent aussi. Debuchy, voilà, 76 de vitesse, 73 de passe, 74 de dribble, 78 de défense, 78 de physique. 3 étoiles mauvais pied, 3 étoiles de technique, 3500 crédits. Je l'ai pas vu. Sérieusement, je l'ai pas vu. Enfin, c'est le joueur que j'ai le moins vu sur le terrain avec le défenseur gauche. Bon, en même temps, les défenseurs droits, défenseurs gauche, enfin, avec ma manière de jouer, je les vois pas beaucoup. Voilà. Rien de dire, il est bon, mais bon, voilà, je l'ai pas vu énormément. Ensuite, un défenseur gauche que je ne voulais pas mettre. Hein, je voulais mettre à la base Jetro Williams, mais j'avais plus assez de crédits. Donc là, c'est Tamata. Acheté 2500 crédits. Franchement, il est bon. Hein. Il a 2 étoiles gestes techniques, mais il est assez bon techniquement. Ça fait l'affaire. Vous voyez qu'il a joué beaucoup de matchs dans son ancien club. Bon, voilà, c'est le choix par défaut pour faire le lien. Donc là, milieu défensif central, c'est soit Fabregas, soit Blind. C'est comme vous voulez. Avec Blind, vous aurez 100 collectif. Avec Fabregas, vous en aurez 99. Mais Fabregas est largement meilleur. 88 de passe, ouais. 88 de passe, 80 de dribble, 79 de tir, 63 de physique, 64 de défense, 68 de vitesse. Des stats assez complètes, à part en défense. C'est bon, il est milieu défensif central, j'ai acheté une carte pour le changer. Donc 23 000 crédits plus les 2 000 crédits de la carte. Donc ça fait 25 000 crédits au total. Une passe décisive, franchement je suis un peu déçu, je m'attendais vraiment à du lourd, à genre 5 passes décisives et tout. Mais bon, ça fait l'affaire, faudrait que j'en teste d'autres, j'en testerai d'autres sur Xbox One. Ah, vous avez entendu cette annonce? Eh oui, car vous avez volé sur Xbox One. Donc on va continuer sur le côté BPL, hein. On va pas trop se livrer au côté hollandais pour l'instant. Walcott, j'avais envie de tester. Ça a toujours été un joueur cheaté, j'avais envie de le tester, voir si c'était toujours aussi cheaté. Et je l'ai pas énormément vu, mais quand je l'ai vu, ça faisait très mal. 96 de vitesse, 77 de tir, 75 de passe, 80 de dribble, 64 de physique. 96 de vitesse. 96 de vitesse. 96 de vitesse.
Et je peux vous dire que quand ils tapent des points, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Seulement pour 8 000 crédits. C'est ça le truc. Un but marqué, 3 passes décisives en 5 matchs. Alors j'ai pas beaucoup vu. C'est pour vous dire à quel point il est efficace. Voilà. Milieu offensif central, non, c'est pas en BPL. Là, on va passer BPL, un joueur, un coup de cœur. Un coup de cœur. Énorme ce joueur. Énorme. Loïc Rémy, les gars. Énorme. Ce joueur est énormissime. 5 matchs, 5 buts, une passe décisive. Ok, 5 matchs, 5 buts, bon, ça passe. Non, 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 non. 4 étoiles geste technique, 74 de dribble. Déjà, il est extrêmement technique. Et puis là, les 90 de vitesse. Il te tape des points de malade. 81 en tir. Il te conclut ça comme un malade. Il te marque les buts d'une facilité. Et puis son physique quand même. Alors j'ai mis une carte finisseur pour augmenter ses tirs et son physique. Parce que physique, j'avais peur que ce soit un peu juste. Mais non. Ce joueur, il est bon partout, quoi, dans tous les secteurs. De la tête, tir, mauvais pied. J'ai marqué un penalty de la tête, ouais, je l'ai dit, tir de loin, enfin tout. Ce joueur est une tuerie. 21 000 crédits, certes, c'est cher. Mais bon. Allez, maintenant on passe au côté hollandais, même si j'avais déjà mis le défenseur gauche. Donc on va faire le milieu offensif central. C'est incontournable, j'adore ce joueur, Snyder. Ouais, il est tellement bon. Snyder, 5 étoiles, mauvais pied, les gars. Ouais. Ça fait mal, ça. 75 de vitesse, alors on n'en a pas besoin. Milieu offensif central, ça n'a pas besoin de vitesse en général. 80 tirs, 87 de passes, 84 de dribble. Ces 3 stats résument à elles seules le joueur. Pour 1400 crédits, c'est une tuerie, une bombe. 3 buts seulement. Je suis un peu déçu, mais il m'a mis un superbe but. Une Panenka à la Zizou en finale de la Coupe du Monde. Panenka, transversale, ça rentre dans le but, ça ressort. Énorme, je vous mettrai dans les gameplays. Restez bien pour les gameplays. De gauche, un des joueurs que j'adore, Memphis Depay. Donc moi je prononce Depay, pas de paille, voilà. 5 étoiles geste technique, et je peux vous dire que les 5 étoiles geste technique, hein, je peux vous dire qu'on les ressent, et les 84 de dribble, je peux vous dire qu'on se fait plaisir avec ce joueur au niveau technique, c'est plaisant quoi. 5 étoiles geste technique pour 4400 crédits, c'est un des seuls joueurs avec un prix aussi bas pour 5 étoiles geste technique. Mais bon, il a 2 étoiles mauvais pieds. Là je suis un peu en furie. 91 de vitesse, c'est énorme. J'ai des joueurs très très rapides dans cette équipe. C'est une équipe vraiment très rapide. Je voulais me baser sur la rapidité, voir si c'était toujours aussi cheaté. Et là, j'aligne trop de moi à la fois, je m'étouffais. 71 de tir, 72 de passe, 75 de figue. Franchement, on s'en bat les couilles. Tant que c'est rapide et que c'est technique, c'est kiffant, voilà. Le dernier joueur, une tuerie aussi, une tuerie. Giorgino Wijnaldum. Voilà. Que dire, 3500 crédits avec la carte BU, 2000 crédits à peu près en MOC, 83 de vitesse, aïe, et ben franchement les gars, on les ressent pas les 83 de vitesse, on ressent beaucoup plus, on a les sensations, ma chérie, tu es superbe, on a les sensations, ah ouais, il est aussi rapide que Rémy, hein. 4 étoiles de MVP, 4 étoiles de geste technique les gars, ah là ça fait mal, ça fait très très mal, 72 de physique, et franchement il est très très physique ce joueur, 84 de dribble. Technique, rapide, physique. Manque un peu, je dirais, de finition, mais bon. 5 matchs, 3 buts, 2 passes décisives. Avec Rémy, ça fait la paire. Franchement, c'est une équipe très très rapide. Vous allez voir, j'ai marqué un but. J'avais le gardien. Et c'était vraiment au pif, je voulais dégager. Et en fait, j'ai fait un LB triangle ou un L1, LBY ou L1 triangle, comme vous voulez. Une passe en profondeur lobée, quoi. Et non, très très fort. Et en fait, le gardien a tiré. Et il y a lui, Wijnaldum, ou Rémy. Qui est parti et j'ai marqué un but à la KSI, voilà, tranquille. Voilà, donc c'est tout pour cette équipe. Alors attendez, on va voir à combien il monte cette équipe avec tous les bons joueurs. Donc une équipe exceptionnelle pour 120 000 crédits. Hein. 120 000 crédits, c'est peut-être un peu cher pour certains, c'est vrai. Mais dès que vous avez les crédits, achetez-vous cette équipe parce qu'elle est sublime. Je vous dis, elle est sublime. C'est une équipe vraiment exceptionnelle. J'ai vraiment kiffé quoi. C'est tellement agréable quand vous avez une équipe en main, vous savez, et vous gagnez 1-0 ou 2-1 à la 80e minute. Il ne faut pas que vous preniez de but et que vous puissiez vous permettre de faire le con, faire des gestes techniques, parce que vous savez que derrière vous avez une défense qui rattrape et que si vous prenez un but, vous pouvez remettre un direct après. Voilà, c'est tellement rapide, vous faites ce que vous voulez avec cette équipe, vous baladez. J'ai essayé, et la preuve, au début du premier match, j'ai voulu la tester, voir si elle était bonne ou pas. Et j'ai vu qu'elle était très très bonne. Donc les autres matchs, je me suis dit, j'essaye juste de mettre des beaux buts. Parce que je sais que je vais gagner. Et j'ai gagné mes 5 matchs.
Voilà, un match sans bouclier des champions. En demi-finale, le bouclier des champions, donc je me suis qualifié pour la finale. Et 4 matchs en division 7, voilà. J'ai gagné. Donc voilà, c'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment, voilà. Donc, on va se retrouver tout de suite. Ben non, moi je vais pas parler. Enfin, si vous aurez quelques commentaires live que j'ai dit pendant que je jouais, voilà, ça va être épique. Non, je rigole, je suis pas un kikou. Voilà, les gameplay. Et il y a du beau but. Il y a du beau but, les gars. Enfin, il y a 2-3 buts assez improbables. Notamment un double râteau magnifique. Enfin bon, je vous en dis pas plus. Regardez-moi ça. Et en avant, la musique. La musique, c'est Simple. Simple de je sais pas quoi. Je vous mettrai ça dans la description. Allez, ciao. Quel but! Allez, on va tenter la panne de carne des malades. Le savant, quelle est belle, comme c'est doux. À la Coupe du Monde 2006, elle est belle, elle est magnifique. Et Walcott, la passe, magnifique passe pour Snyder, Sandokstor, il retourne dans l'axe. Et le petit enroulé dans la lucarne. Quelle action, but, quelle action, mesdames et messieurs!